Chez Talents, depuis notre création, nous avons fait du collectif, des succès et du partage de la valeur créée notre socle, la base de notre succès. Pour vous associer encore plus fortement à la performance de l'entreprise, nous vous proposons, à vous, femmes et hommes du groupe Talents, l'opportunité de devenir actionnaire. Comment ? Grâce à la mise en place d'un fonds commun, de placement d'entreprise Talents, détenteur de titres du groupe. Concrètement, le FCPE Talent, c'est quoi? C'est un fonds de placement dédié aux collaborateurs de l'entreprise qui est agréé par l'autorité des marchés financiers, garante du respect de la législation en vigueur, gouverné par un conseil de surveillance dont les membres sont désignés paritairement par les salariés et le management et encadré par une réglementation précise permettant d'investir de manière éclairée. Durée de placement, conditions de déblocage, règles de valorisation établies par un expert indépendant, pourcentage de la rémunération investie, fiscalité du pays de résidence. Qui peut devenir actionnaire? Tous les collaborateurs du groupe Talents, avec une ancienneté de 3 mois à la date de clôture de la période de souscription et qu'ils résident dans un pays éligible. Tous les collaborateurs accèdent de manière identique au fonds avec le même niveau potentiel de performance. Pour vous témoigner de l'engagement et de la volonté de partager la valeur créée, nous avons fait le choix de favoriser l'accès à ce fonds grâce à un mécanisme d'abondement. Investir dans le FCPE Talents est une décision individuelle, indépendante, sur la base du volontariat et qui doit être prise au regard de votre situation personnelle et en vous assurant personnellement de la bonne compréhension des avantages et des risques éventuels. Toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du dispositif et de ses risques sont détaillées pays par pays dans le cadre de communication dédiée et dans les documents répertoriés. Ensemble, continuons de partager les réussites et la valeur créée.